Cet Asus, c'est le Transformer Book Trio. C'est un hybride un peu particulier puisque c'est un 3 en 1. C'est à la fois un PC portable, une tablette Android et un tout petit PC de bureau. Premier point fort du Transformer Book Trio, c'est son concept. Puisque c'est vraiment la première fois qu'on voit un appareil comme ça, qui mélange aussi bien une tablette Android qu'un clavier embarquant des composantes PC, et quand on réunit les deux, ça fait un petit PC portable qu'on peut trimballer partout avec soi. Deuxième point fort, comme c'est un objet tout en un, ça permet aux gens qui connaissent pas trop bien Windows 8 ou qui ont un peu de mal à se mettre à Android, d'avoir une seule et même machine et de pas avoir à changer de produit dès qu'ils veulent soit utiliser Windows 8, soit Android. C'est un bon compromis finalement pour les gens qui ont envie de s'y mettre et de découvrir sans être perdu dès qu'on change d'un système à l'autre. Le troisième point fort, c'est l'interface qui permet de passer d'Android à Windows. C'est un simple petit bouton qui est sur le clavier, il suffit de presser et on bascule automatiquement d'un système à l'autre. A noter, si vous enlevez la partie écran du clavier et que Android n'est pas démarré, Android se lance automatiquement et vous pouvez utiliser la tablette en moins de 10 secondes. Premier point faible et de taille, c'est l'endurance de la machine. Alors, il y a une batterie dans la partie de l'écran, dans la partie écran, et il y a une batterie dans la partie clavier. Les deux batteries ne communiquent absolument pas ensemble, c'est-à-dire qu'on ne peut pas cumuler l'autonomie des deux batteries. Donc la tablette tient entre 4 et 5 heures toute seule, et le PC portable, dans son ensemble, tient un tout petit peu moins de 5 heures. C'est franchement pas beaucoup. Pour comparaison, les grandes tablettes aujourd'hui tiennent entre 6 et 8 heures et un Ultrabook aujourd'hui tient environ 6 heures sur batterie. Second point faible, les performances aussi bien de la tablette que de la partie PC sont pas au top. Sur la tablette, ce qui pêche un peu, c'est un peu la puissance processeur et la mémoire. Pour donner une idée, on a un niveau de performance équivalent au Samsung Galaxy S3, voilà, donc un smartphone plutôt connu. Quand on utilise le Transformer Book Trio comme un portable. Là, on a des composantes d'Ultrabook, mais handicapées dans leur ensemble par un disque dur très poussif. C'est un disque dur standard, il n'y a pas de SSD comme sur un Ultrabook classique, et résultat, les performances de la machine sont tirées vers le bas. Troisième point faible, c'est l'écran. Alors, dans l'absolu, si on testait simplement un PC portable classique, l'écran serait plutôt pas mal, mais là, on a plus affaire à un écran de tablette, et malheureusement, la luminosité, ça va, le contraste, c'est pas terrible, et les angles de vision, on a déjà vu mieux. Le Transformer Book Trio d'Asus est un concept plutôt sympa, dans l'absolu. C'est une machine qu'on va réserver aux primo-débutants, ou en tout cas aux gens qui commencent à se mettre à Windows et à Android. Simplement, c'est ni une très bonne tablette, ni un très bon PC portable. Et à 900 euros, ça coince.